Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui. Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a vraiment pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson, comme ça. La maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs.